Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, le secret de la bonne cuisine. Aujourd'hui, on va faire pomme tarte. Yes, c'est ça qui est dans ma cuisine aujourd'hui. Donc, pour ça, on a besoin de 4-5 pommes de cannelle, du sucre marron, du citron, cœur et vanille pesto. Donc, pour commencer, on va éplucher d'abord les pommes. On va enlever la peau très bien. C'est déjà lavé, tout est lavé très bien. Donc, pour commencer, je vais enlever la peau d'abord. Si tu es sur ma chaîne pour la première fois, n'oublie pas d'appuyer la cloche deux fois pour t'abonner. Ou bien tu vas manquer beaucoup de mes vidéos. Et merci à tous mes nouveaux abonnés. Bienvenue. Je vois que la famille s'agrandit là. Très bien. Merci à tout le monde. Donc, vous voyez, donc je vais enlever la peau très bien. Donc, je prends le couteau pour bien enlever encore. Le contour, je découpe en deux. Oui, j'enlève le milieu là aussi, comme ça. Oui, je découpe en deux. Comme ça, pas tellement petit, pas tellement gros aussi, quoi. Juste 3-4 carrés, c'est bon comme ça. Donc, c'est bon, je continue à faire la même chose. Je vais vous montrer pour une dernière fois encore. Oui, quand tu coupes en deux, tu peux... un carré encore. Voilà, regarde ça, c'est bon comme ça. Et voilà, j'ai fini de découper les pommes. Donc, on va cuire un peu. Je mets dans le poêle. Je mets du sucre. Ça, c'est juste 10 g de sucre. Castagnette de sucre, le sucre marron. Du cannelle. Le cannelle avec du pomme, ça va à merveille. Les deux là, c'est très bon. Et je presse la moitié du citron. Citron aussi, c'est très bon. C'est bon dans la recette là aussi, c'est très bon. Et je mets un peu de vanille sur. Pour juste aromer. Et je mets un tout peu d'eau, je ne veux pas que ça cuit tellement, juste un tout peu, je veux cuire un tout peu, parce qu'après on doit mettre au four. Ça cuit ici juste un tout peu, et c'est bon. Je remets très bien. Et je vais mettre du citron là, que c'est très bon aussi, même dans le pain, tu peux manger, c'est très bon. Donc deux cuillères de ça aussi, c'est bon. Ça, c'est du citron déjà fait, quoi, en confiture. Citron en confiture, quoi. J'avais oublié de mettre du gingembre. Vous savez, gingembre avec du pomme tata aussi, ça va très bien, super bien. Donc, j'avais oublié de mettre ça. Donc, je laisse cuire comme ça au moins pendant 10 à 15 minutes, c'est bon. Et voilà, j'ai laissé cuire au moins pendant 10. Donc l'eau ne doit pas complètement rentrer. Parce qu'on doit mettre au four. Donc ça c'est bon. Mon pastry, j'ai déjà fait ça. Je vous ai déjà montré comment je fais mon pastry. C'est la farine là que j'ai utilisée. Vous voyez, plein flour. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans la farine. Juste la farine quoi. Donc c'est avec la farine, du beurre que j'ai mélangé. Donc, on va rouler ça sur le plan du travail très bien. Je prends le rouleau parce que le PC, tu dois faire très tôt. Donc, je ne pouvais pas tout le temps vous montrer. Je vous ai déjà montré comment je fais mon pastry. Donc, je roule ça très bien, très bien. Tu me suis sur Instagram, le secret de ma bonne cuisine. Ma page Facebook, le secret de la bonne cuisine aussi. Je vais vous laisser toutes les informations pour vous sur la barre d'infos si vous voulez faire comme le secret de la bonne cuisine.
Donc, vous voyez, c'est pas facile le pesto. Pour travailler, il faut que je travaille encore un peu. Malgré que j'ai mis au frigo. Faut que tu travailles très bien pour que ça soit vraiment mou. Très, très bien. Tu vois que la famille là s'agrandit. Merci, bienvenue à mes nouvelles abonnées. Vous n'allez pas regretter du tout. J'espère que toute ma cuisine, ça vous plaît. N'oubliez pas de me demander si vous voulez que je fasse quelque chose. Je suis là pour vous. Parce que sans vous, ma chaîne n'est rien. OK? Donc, je roule sur mon rouleau. Je mets dans le moule de pestrer comme ça. Très bien. Je fais descendre en bas un peu. Je tire très bien. Faut que les côtés soient bien mis, tout et tout. Colle très bien pour que le pastry prend la forme de moule. J'enlève les côtés, j'ai pas besoin de ça, je peux garder ça pour autre chose. Je presse avec ma main très bien les côtés. J'ai fini, je prends le fourchette pour avoir de l'air. Surtout là, quand ça cuit là, l'air ne va pas, ça va pas gonfler quoi. Quand tu fais comme ça ne va pas gonfler. Tu prends la fourchette. Tu mets les points, 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 points. Voilà, c'est fini comme ça. Je vais mettre au four. Mais je vais prendre. Ça, c'est le riz. Ne vous en faites pas, ça ne va pas, ça va pas brûler. Ça ne va pas melter aussi. Donc, je mets juste pour 10 minutes. Vous voyez, j'enlève le riz maintenant. 10 minutes les restes qui sont là juste pour ne pas que ça monte. Donc c'est pour cela j'avais mis le riz en sachet là pour ne pas que le milieu ça monte. Donc je mets mon pomme de tarte maintenant pour le four encore pour une autre 1 heure de temps, 45 à 1 heure de temps. Donc je mets un peu de sucre de cassonade pour que ça soit un peu doré là. Très bien. Donc je mets au four au moins et je mets un peu de cannelle. J'adore cannelle avec du pomme de tarte. Ça va à merveille les deux là. Donc je mets au four au moins pendant 45 à 1 heure de temps. Et un peu de gingembre aussi. 45 minutes. À 1 heure de temps, vous voyez. Donc je vais mettre au four maintenant. J'espère que la recette là va vous plaire. Et voilà, c'est presque fini comme ça. Donc je laisse se reposer un peu. Après je vais décoller. Yummy. Donc j'ai accompagné avec la crème anglaise. Prochainement je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc on est presque à la fin de la vidéo. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo là vous a plu. Si vous avez plu, thumbs up for me, commentez, partagez avec la famille. Bisous à tout le monde. Merci.